Ici, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais mélanger trois tops, donc j'ai appelé ça le top 15 télévision, pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est trois top 5, dont deux se ressemblent un peu, mais c'est tout ce qui est télé, donc voilà. Donc on va commencer par le top 5 des séries préférées. Donc en 1 il y a Gossip Girl, ça me fait tellement rire que voilà, j'adore. J'adore leur style, etc. Leur façon de parler, leur façon de faire. Enfin bref, voilà. En 2, c'est Two Broke Girls. Je trouve que cette série, elle est juste hilarante. Enfin, tu la regardes, t'es obligée de rire. Au moins une fois par épisode. Donc voilà. En 3, bien sûr, c'est Charmed. Une série de mon enfance que je regardais tout le temps et que je regarde encore d'ailleurs. Que mon chéri aussi regarde d'ailleurs, enfin a regardé. En 4, bah, c'est NCIS, c'est aussi une série d'enfance, enfin que je suivais avec mes parents, donc voilà. En 5, ça sera NCIS Los Angeles qui est sorti plus récemment, mais que je regarde aussi avec mes parents, donc bah voilà. Donc ensuite, on va passer au top 5 des dessins animés quand j'étais enfant. Qui va ressembler un peu au top 5 d'après, mais bon, c'est pas grave. Donc je l'ai fait un peu dans l'ordre chronologique dans lesquels, enfin, pendant lesquels je les ai regardés, les périodes, etc. Donc ben, en premier, le premier dessin animé que j'ai regardé, que j'ai adoré, etc., c'était les Teletubbies, et oui. Je vous rassure, ça a pas duré longtemps. Je crois que c'est jusqu'à l'âge de mes 2 ans. Ben, à l'âge de mes... Pour mon premier anniversaire, mon gâteau, c'était un gâteau Lala, donc voilà. À quel point j'adorais cet univers. Donc en 2, c'est Dora qui a pas duré longtemps non plus. Parce que j'aimais pas tant que ça en fait. En 3, c'est les Winx. Et oui. Et d'ailleurs, je regardais, on va dire, parce que j'ai plus le temps de regarder la télé. Donc je regardais encore il y a quelques mois. Oui, je suis une grande enfant. En 4, c'est Littlest Pet Shop. J'ai regardé un peu. J'ai pas trop suivi, mais bon, j'aimais bien, donc je regardais de temps en temps. Et en 5, bah, c'est Garfield. Donc voilà, bah, je parle pas des dessins animés qui sont aujourd'hui, je regarde pas trop, j'aime pas trop... j'en ai regardé 2 ou 3, j'aime pas trop le style. Je parle plus des films qui sont sortis bah, quand on était plus jeune, tout simplement. Donc voilà, donc maintenant je vais passer au top 5 dessins animés d'aujourd'hui que je préfère. Ceux que je regarde encore, ceux que je regarde le matin, enfin voilà... avant d'aller au lycée pour se détendre. Alors en 1, bah, c'est les Winx, comme je vous le disais, j'ai pas trop le temps en ce moment de regarder la télé, du moins la journée, enfin même le soir. Je regardais il y a quelques mois. Mais voilà, c'est le truc que j'adore et je sais très bien que... Enfin là, je suis en train de mettre ma nièce dedans. Donc mon frère est très content. bref, en 2, c'est le Ranch. C'est une série qui passe sur la 4, enfin pour moi la 86 vu que c'est Disney Channel, qui passe le matin, donc je le regarde le matin avant d'aller au lycée tout simplement. C'est sur les chevaux, j'adore les animaux, c'est ma passion, puis j'aime bien leurs petites histoires, etc. Ça peut être des situations de tous les jours entre guillemets, donc voilà. En 3, c'est La Reine des Neiges, je m'en lasse pas, dès qu'il y a ma nièce, on regarde, on chante La Reine des Neiges, on écoute les chansons en boucle, j'adore, voilà. En 4, bah, c'est Princesse Sophia, toujours avec ma nièce, hein, je le regarde pas quand je suis toute seule, j'ai pas que ça à faire non plus, mais voilà, j'aime bien, c'est mignon, c'est une nouvelle princesse après tout, mais qui est beaucoup moins, qui est pas comme les autres quoi, donc moi j'aime bien. Donc voilà, et en 5, ça sera La Fée Clochette, que je regarde depuis un petit moment, enfin que je regardais du moins dès que c'est sorti, j'ai commencé à regarder, j'adorais, donc voilà. Bon bah c'en est fini pour ces 3 top 5 spéciales télévision. Donc je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous. Bisous.